Aimables téléspectateurs de FM Télévision, le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission. Votre émission Grande Analyse, cette émission qui revient sur tous les sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Nous savons chaque jour qui passe, il y a de nouveaux sujets qui viennent et qui nous permettent de le débattre. Habituez-vous régulièrement à voir sur ce plateau chaque lundi, monsieur Dany Tchamala, avec qui nous essayons de parler de tous ces sujets d'actualité, mais qu'il y a ces sujets d'actualité qui ont frappé le week-end. À ce jour, nous avons trois sujets auxquels nous allons débattre. Il y a la sortie médiatique du président de la République, plusieurs points ont été évoqués par le président de la République, et chacun des Congolais interprète à sa manière les dires du chef de l'État. En dehors de tout ça, le samedi ou le même week-end, le président de la République a signé des ordonnances nommant des Congolais dans des fonctions, des entreprises publiques. Et en dehors de ça, nous savons qu'il y a le fameux affaire kidnapping. Le procès a été clôturé, des condamnations sont tombées. C'était seulement ce week-end. Comme je l'ai déjà annoncé, c'est avec M. Tchamala que nous allons essayer de parler de ce sujet. Il est un habitué de FM Télévision et habituez-vous à le voir régulièrement dans nos murs. Monsieur Dany Tchamala, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Bon début de semaine. Merci, parrainement. Merci. Un week-end très saturé, chargé, mouvementé. Le président de la République s'est enfin entretenu avec Madame Tina Salama, où ils ont évoqué certains points touchant la vie des Congolais. Les gens ont retenu deux choses. C'est ce qui se dit plus, surtout sur la toile. Le président de la République regrette cette séparation entre le FCC et le CACH. Il a dit son souhait était de voir après l'alternance. Parce que les gens s'arrêtent seulement à ce qu'il a à ce mot-là ou cette phrase-là, que je regrette la séparation entre FCC et CACH. Mais par contre, il a poursuivi en disant que après cette alternance, il a voulu voir ceux qui ont dirigé avant lui et ceux qui sont venus après le régime de Kabila diriger la République démocratique du Congo pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. Mais dommage, ce qui est arrivé est arrivé. En tant qu'analyste politique, entendre que le président de la République puisse regretter ces divorces-là, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question-là. Je crois que j'ai toujours dit dans plusieurs de vos émissions que je suis analyste politique indépendant. C'est-à-dire que je suis en train d'analyser les faits d'une manière indépendante. Et mon souci est que le peuple congolais soit éclairé sur la vie politique et sur toutes les actualités qui se présentent dans notre cher beau pays. Le souci aussi, c'est celui de réveiller la conscience des Congolais pour que nous puissions à tout prix et à tout moment et dans n'importe quelle circonstance défendre notre cher beau pays et faire voir aussi à la face du monde que nous avons réellement l'amour de notre pays. Pour revenir à la question, c'est que le président de la République s'est entretenu avec son porte-parole, qui est Madame Tina Salama. Lors de cet entretien, le président de la République regrette du fait qu'il y a eu séparation entre le FCC et le CACH, parce que ce que lui voulait, il voulait que ces gens du FCC, qui sont des Congolais, du CACH, puissent évoluer ensemble, faire de sorte que le pays puisse évoluer et aller de l'avant. Le regret est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que le président de la République s'est présenté à un air rassembleur, dans le sens que il ne fallait pas que les gens puissent croire peut-être que non. Le fait qu'il y a eu cette passation de pouvoir pacifique entre le sénateur à vie Joseph Kabila et le président
de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'était comme force, ça pouvait s'interpréter comme un triomphalisme ou comme une division entre deux familles politiques. Au fait, c'est tout simplement le fait de vouloir à ce que nous puissions évoluer ensemble. Nous sommes des Congolais, nous pouvons rejeter ou mettre de côté le point qui peuvent nous séparer, mais mettre au profit l'intérêt général, qui est de voir le pays, la République démocratique du Congo, aller de l'avant et de se développer comme tous les autres pays. Dans ce regret, que les gens ne puissent pas interpréter ça comme un aveu d'échec ou un aveu de faiblesse, c'est tout simplement l'idée de vouloir rassembler tous les Congolais. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est disputé hier, ce qui discutait hier, ce qui se battait hier, peuvent rester ensemble et gérer ensemble avec la nouvelle vision qu'il a amenée, ajoutée aussi à ce qui était fait par son prédécesseur Joseph Kabila. Parce que ce que vous devez savoir, c'est seulement que Joseph Kabila, dans tout ce qu'il a fait dans ce pays, il n'y avait pas que du noir. Il y a aussi des choses qui sont entrées dans l'actif et qui sont positives pour la République démocratique du Congo. Et ce que le président de la République est en train de faire aujourd'hui, il n'y a pas que du blanc. Il y a aussi de certains points qui ne marchent pas, qui nécessitent à ce qu'une autre main puisse aussi venir et apporter aussi son expertise pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc c'est la volonté de vouloir conjuguer des efforts ensemble qui a poussé le président de la République à ce que qu'il puisse parler de cette façon-là. Et entre autres aussi, le président de la République, son souci, c'est de ne pas voir ce Congo se diviser. Vous comprenez? C'est de voir le Congolais parler un seul. Nous devons rester unis malgré que vous êtes du PPRD, vous êtes du IDPS, vous êtes du MLC, vous êtes de l'UNC. Donc, il veut voir que le Congo est ensemble. Que les partis, parce que les partis politiques évoluent en République démocratique du Congo. Les familles politiques évoluent en République démocratique du Congo. La preuve en est que vous avez vu depuis cette passation de pouvoir. Le président Joseph Kabila reste sur le sol congolais. Il est en République démocratique du Congo, dans la capitale congolaise qui est Kinshasa. Il fait ses affaires calmement, il n'a jamais été inquiété. Ce qui prouve effectivement que les choses ont totalement changé et la vision a totalement changé. La République démocratique du Congo a pris une autre direction qui n'est pas celle de voir des gens venir au pouvoir par force, par des coups d'État et des choses comme ça, mais voir que le Congo est maintenant placé sur la liste de pays civilisés et développé aussi sur le plan politique. Le président de la République se plaint dans cet entretien de la justice. Il a dit, s'il y aura une tache noire dans son bilan, c'est cette justice-là. Qui n'a pas rencontré ses attentes. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État parle de la justice en République démocratique du Congo. À chaque fois qu'il sort, qu'il fait une sortie médiatique, il martèle toujours sur la manière de gérer l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. En tant que Congolais, le chef de l'État, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui décrit la manière de fonctionner de l'appareil judiciaire. Si le premier citoyen trouve que ça marche mal, vous pensez que ce petit peuple congolais qui souffre en République démocratique du Congo et qui a un procès par manque d'argent, est-ce qu'il peut avoir de l'argent? Parce qu'il a martelé que cet appareil est corrompu. Et ça risquerait d'être une tache noire lors d'élaborer son bilan. Monsieur le journaliste, le domaine de la justice, c'est un domaine où, depuis toujours, les Congolais se plaignent du fait que la distribution de la justice n'est pas faite de la bonne manière ou de la manière satisfaisante.
Nous devons mettre d'abord en tête que lorsque vous allez en justice, la justice ne peut pas vous donner une décision qui va satisfaire toutes les parties. Sachez qu'il y a quelqu'un qui revendique et il y a celui qui se défend. Alors, il y aura toujours une décision qui va sortir, qui va satisfaire un camp au détriment d'un autre. Alors, en République démocratique du Congo, c'est un combat que nous sommes en train de mener tous ensemble pour que la justice puisse faire effectivement son travail, comme cela est dit que la justice élève une nation. Dans les dires du chef de l'État, il s'était dit que durant son mandat, il va se pencher beaucoup sur la justice, qui est une colonne qui peut au fait faire de sorte que son pouvoir ou son mandat puisse réussir, dans le sens que dans ce pays, on a décrié, à ce qui concerne la fuite des capitaux, à ce qui concerne l'arbitraire, à ce qui concerne beaucoup de bavures. Alors, pour mettre fin à tout ça, il faut que la justice fonctionne. Il faut que la justice fonctionne. Parce que lorsqu'il y a des détournements des deniers publics, si les détourneurs sont sanctionnés conformément à la loi, je crois que le prochain détourneur va se réserver parce qu'il sait très bien que l'acte que je suis en train de poser, c'est un acte qui va m'amener à une condamnation. Lorsque je suis condamné, je vais purger effectivement ma peine. Maintenant, on constate un peu, comme le chef le constate, ça fait plusieurs années. Parce que le chef a même évoqué en disant que la Bible dit « la justice élève une nation », mais j'ai comme l'impression chez nous, ça détruit la nation. Voilà. En fait, c'est un constat que le chef a fait parce qu'il est le premier des citoyens. Tel que nous sommes là, il est le premier d'entre nous. Oui. Il fait un constat, c'est-à-dire les pleurs qui sont dans la population sont arrivés jusqu'au niveau du président de la République qui constate cela et qui parle pour faire voir à la population qu'effectivement, ce que vous êtes en train de vous plaindre, je suis conscient et j'ai pris acte de ça et je m'organise pour voir comment nous allons faire pour pallier à cette situation-là. C'est comme ça qu'il a dit qu'il s'est entretenu même avec les chefs des juridictions pour que cette situation puisse changer, mais il constate que le peuple continue toujours à se plaindre. Et je crois qu'en tant que chef, le fait pour lui de dire ça, il y a des précautions déjà prises. Oui, parce qu'il a parlé de réformes. Oui, il y a des précautions déjà prises, il y a des réformes qui doivent intervenir. Et dans tout ça aussi, lorsque le chef dit ça, nous devons, nous Congolais aussi, qui sont dans ce domaine de la justice, qui sont proches de ce qui fonctionne dans la justice, qui ont cette mission de rendre justice, de prendre aussi conscience. Parce que, au moment où les choses sont à ce niveau-là, il faut toujours voir qu'un jour ça peut changer. Parce que, vous avez vu, lorsque le président de la République actuelle est arrivé au pouvoir, il a trouvé un service qu'on appelait l'IGF. L'inspection des finances n'a pas été instituée par le président Tshisekedi. Mais ces inspecteurs de finances étaient toujours dans ce pays au moment où il y avait ces fuites de capitaux, au moment où il y avait beaucoup de choses. Mais avec sa volonté politique, il a voulu donner le pouvoir réel à cette institution-là ou à ces services-là pour que ce service puisse faire effectivement son travail. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est en train de saluer le travail de l'IGF et c'est ce que nous souhaitons aussi, à ce que ça se fasse au niveau de la justice, que tout le monde puisse applaudir la justice. Comment on va applaudir la justice? Parce que j'ai dit ici, et non voilà, il y a toujours les camps qui se présentent devant la justice, il y a un camp qui va gagner et un autre camp va perdre. Ça, c'est le camp qui va perdre, le camp qui va perdre ne dira pas que la justice fait bien le travail parce qu'il ne peut, il ne veut pas perdre. Mais seulement, il faut aussi que le camp qui a perdu puisse vraiment être conscient, convaincu du jugement rendu. Vous comprenez un peu? C'est ce que nous demandons au chef de juridiction
au chef d'office. Donc, quand je parle de chef de juridiction, je vois les cours et tribunaux. Les chefs d'office, je suis en train de voir les parquets. Donc, nous sommes en train de demander aux procureurs généraux, aux procureurs, de faire exactement, effectivement, leur travail, de veiller sur ce qui se fait devant ces juridictions-là. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que non, voilà, ce travail-là n'est pas bien fait parce que peut-être, parce que souvent en République démocratique du Congo, les gens disent toujours que non, parce qu'on n'est pas bien payé et tout ça. Lorsqu'on n'est pas bien payé, on doit chercher le travail qui vous serait bien rémunéré. Quand vous acceptez d'être magistrat, c'est pour bien faire le travail. Ce n'est pas pour aller chercher une rémunération. Vous n'êtes pas parti là-bas pour chercher l'argent. Vous êtes allé pour rendre service, pour faire le travail que le Congo vous a donné, pour rendre, accomplir la mission qui vous est confiée par la République démocratique du Congo. Regardez les militaires qui sont au front. Il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui sont blessés et tout ça. Ils se sacrifient pour la nation. Ils font bien leur travail. Ils ne disent pas que non, on n'est pas bien payé, on n'est pas bien rémunéré, on doit fuir les fronts et tout ça. Non, quand vous avez accepté d'être magistrat, sachez très bien que chaque pays a ses problèmes. Et dans les problèmes que nous avons, vous aussi, magistrat, vous êtes dedans. Alors, vous devez faire effectivement votre travail pour pousser aussi à ces dirigeants politiques de se dire effectivement que ces gens font exactement un bon travail et ils doivent être rémunérés comme ils le méritent. Il ne faut pas mettre la question de l'argent avant pour venir dire que non, parce qu'on n'est pas payé, parce qu'on n'a pas fait ci, on n'est pas bien traité, parce qu'on n'est pas, Non, d'abord vous avez accepté ce travail-là. Allez, faites bien ce travail et lorsque vous le ferez normalement bien, vous verrez que tout ça va changer. Je prends seulement un exemple. Si aujourd'hui la justice faisait un bon travail, lorsqu'il y a des détournements, lorsqu'il y a des ceci, il y a de cela, et que tous ceux qui ont détourné de l'argent sont sanctionnés par la justice, cet argent va rentrer dans la caisse de l'État. Une fois qu'il y a augmentation de la production, je crois que la répartition sera équitable et chacun sera rémunéré selon ses besoins. Le président de la République, dans ses dires qui touchaient toujours la justice, il a dit qu'il y a une façon de faire les choses de foi qui ne plaît pas. C'est-à-dire un dossier en cours, mais il y a déjà des gens qui en parlent. Et demain ou après-demain, quand le jugement est rendu, bien que la personne a raison, mais les gens pourront dire qu'ils ont corrompu parce que dans le commun des mortels, quand quelqu'un est interpellé par la justice, des fois, nous condamnons avant même que le procès n'ait eu lieu. Et c'est pourquoi, par ses dires, il a dit à son porte-parole qu'il n'a jamais intervenu dans un procès pour que une quelconque personne soit libérée par son autorisation. Parce que, le plus souvent, surtout quand c'est des politiques, nous pensons que il y a toujours eu une mainmise sur les dossiers afin que ces politiques ou ces politiciens soient libérés. Mais il a demandé à l'appareil judiciaire de voir aussi la manière dont ils font ce travail-là. Parce que plusieurs arrestations donnent toujours l'image que les personnes interpellées sont déjà coupables. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, monsieur le journaliste, je crois que dans certaines émissions, toujours avec vous, j'ai déjà dénoncé cet aspect des choses. Effectivement, c'était dans l'émission « Ce qui dit les droits ». J'ai déjà dénoncé cet aspect des choses. Et je suis conscient et content aussi du fait que le président de la République dénonce de la même façon que moi. Vous savez, le magistrat aujourd'hui doit être vraiment fier du fait qu'ils ont aujourd'hui dans ce pays un président de la République qui leur donne toutes leurs responsabilités. C'est-à-dire, qui dit ne pas intervenir ou interférer dans les affaires judiciaires. C'est-à-dire que le magistrat, il est seul devant la loi, sa conscience, pour faire ce qu'il fait comme travail. Et il ne reçoit aucune injonction émanant du président de la République. C'est-à-dire qu'on lui laisse toute la possibilité et toute la manœuvre que la loi lui reconnaît pour mieux faire le travail. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que nous remarquons, c'est que
lorsqu'il y a une affaire portée devant la justice, plus souvent, les parties concernées par cette affaire cherchent à amener cette affaire sur le média pour commencer à dérouter ou à désorienter l'opinion. Vous comprenez? Là, je me dis que des fois, il y a certaines bavures qui se manifestent dans ce genre de choses ou dans cette façon de traiter des choses. Mais là, nous appelons aussi à ce que le média puisse contribuer aussi à une bonne administration de la justice. C'est une part de responsabilité. Oui, c'est une part de responsabilité. Parce que lorsqu'une partie se présente sur une chaîne de télévision pour commencer à dénoncer dans une affaire, il faut qu'il y ait aussi ce droit de réponse de l'autre partie. Il ne faut pas que le média se limite à écouter une seule partie sur une affaire, faire des commentaires par rapport à ça, mais ne pas chercher l'autre partie pour avoir aussi un autre son de cloche. Ce qui fait que, même si la partie qui s'était présentée sur la chaîne de télévision ou une chaîne de radio a été condamné ou n'a pas eu qu'un de cause dans cette affaire-là, les gens restent toujours dans leur tête avec ce qu'ils avaient comme information, quand bien même que ces informations-là étaient erronées. Et plus souvent, ce sont des gens qui ne connaissent rien de la justice qui viennent pour commencer à dire « Non, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela. » Je prends un cas, par exemple, qui est beaucoup plus médiatisé, le cas de l'honorable Manga Tchoutchou, qui est beaucoup de temps en détention malgré la détérioration de sa santé qui nécessite à ce qu'il puisse se faire soigner. Mais c'est un procès médiatisé à un niveau très élevé. Et vous avez vu qu'on a commencé à nous dire que voilà ce qu'on a trouvé dans les coffres forts. Voilà. Alors que les conclusions de ce qui a été trouvé n'ont pas été révélées à tout le monde avant que les juges même puisse dévoiler ce qui se passe dedans. Et aussi, le procès ou l'audience là, elle est publique. Tout le monde a la possibilité d'aller suivre. Mais ce que nous voyons sur les chaînes de télévision, ce n'est pas ce qui se passe réellement lors de ce procès là. Les commentaires que nous suivons sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, ce sont des commentaires qui sont même à l'encontre de ce qui est réel. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, si l'honorable Manga Tchoutchou est acquitté, qu'est-ce que les gens vont dire? Que non, voilà la justice de notre pays. Mais voilà la justice de notre pays. La logique, c'est ça. La logique, voilà, il a corrompu de magistrats, voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Mais ce que je demande aussi, c'est que seulement qu'au niveau de la magistrature ou du Conseil supérieur de la magistrature, qu'on essaye un peu de revoir certaines choses. Dans le sens que souvent, nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a des mandats d'amener, il y a des avis de recherche qui sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'on essaye un peu de remonter des filières pour que des gens qui continuent à faire publier des documents comme ça soient quand même sanctionnés. Parce que l'instruction au niveau de la justice, elle est secrète. On ne peut pas, avant même que la personne soit jugée, condamné ou pas, mais que tout ce qui doit être fait par le magistrat soit déjà sur les réseaux sociaux, on a déjà dit voilà, il y a ceci, voilà. Donc la population ou les téléspectateurs condamnent déjà la personne au moment où ils n'ont même pas la connaissance des faits réels. Vous comprenez? Mais quand on laisse ça passer comme ça, c'est aussi une faiblesse dans la magistrature. Parce qu'il faut toujours arriver à faire de sorte que votre image ne soit pas salie. Et ceux qui saluent l'image de la magistrature, et les magistrats laissent ça passer comme ça, au nom de la liberté de presse, au nom de la liberté d'expression, au nom de quoi que ce soit, tout ce que nous pouvons dire. Non, le magistrat doit effectivement faire leur travail. Vous voyez même partout ailleurs dans le monde, il y a toujours des audiences, il y a toujours des procès. La justice a toujours été décriée, de gauche à droite, partout dans le monde. Ce n'est pas toujours ici chez nous. Vous voyez aux États-Unis avec le procès de l'ancien président Donald Trump, les gens crient toujours à la corruption, à la manipulation de la justice. J'ai vu même un haut magistrat des États-Unis être taxé de
quelqu'un qui a reperçu des pots de vin auprès de l'un de ses amis, des choses comme ça. Vous avez vu le procès de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Nous avons vu aussi Dominique Strauss-Kahn en France. On a parlé de la manipulation de la justice et tout ça, tout ça. Le magistrat sont des gens qui vivent toujours avec nous. Ils sont dans la société. Ils peuvent avoir des frères, ils peuvent avoir aussi des amis, ils peuvent avoir des connaissances de gauche à droite. Mais lorsqu'il faut faire ce travail-là, ils doivent prendre des précautions pour éviter à ce que ces soupçons-là puissent continuer. Vous comprenez? On peut laver toujours l'image. Parce que dans ce pays, moi je connais que l'on parlait des enquêtes dans des entreprises et autres, lorsque les inspecteurs de finances arrivent, c'est-à-dire que les DG, les DGA, même le président du conseil d'administration, donc tous ceux qui gèrent la société, ils doivent se mobiliser pour apprêter une enveloppe qu'on doit donner aux inspecteurs de finances. Et le rapport était toujours bon. Le rapport était toujours bon. Mais par rapport à la performance ou à la productivité de la société, on ne trouvait pas grand-chose dans tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'IGF aujourd'hui, on trouve que les choses ont changé. Mais ce sont toujours les mêmes inspecteurs. On n'a pas créé d'autres inspecteurs. On n'a pas amené d'autres inspecteurs. Félix Tshisekedi n'a pas amené d'autres inspecteurs. Et dans le domaine de la justice aussi, Félix Tshisekedi n'a pas amené d'autres magistrats. Ce sont les mêmes magistrats que nous avons. Ce sont les mêmes magistrats. Et ces mêmes magistrats-là peuvent toujours faire changer des choses pour faire de sorte que l'image soit lavée. Donc, ils doivent voir à ce qui concerne la presse. Qu'est-ce qui se passe à la presse par rapport à la justice? Lorsqu'il y a un soupçon, lorsqu'il y a des dires concernant une affaire au niveau de la justice sur les chaînes de télévision, ils doivent s'intéresser pour savoir comment cette affaire est arrivée là-bas et pour quelles raisons cette affaire est arrivée. Parce qu'il y a des gens qui passent, qui dénoncent même, qui citent les noms de magistrats. Ils disent que non, voilà ce que tel magistrat est en train de faire dans telle ou telle autre affaire. Mais la justice, c'est miouette par rapport à ça. C'est comme ça que les gens continuent toujours à croire que non, là-bas, il n'y a que de noir, il n'y a aucune chose qui marche normalement. Alors que cette justice-là fait aussi un bon travail. Vous avez vu avec la condamnation des criminels qu'on a appelés ici des kidnappeurs. Vous voyez que quand la justice intervient, au moment où cela répond à l'attente même de la population, on acclame la justice. Mais lorsqu'ils font des histoires où on constate que non, ceux qu'on a arrêtés ont été libérés sans qu'on sache pourquoi ils ont été libérés, ils n'ont même pas purgé la peine, là ça devient compliqué. On va en revenir sur le dossier kidnapping, c'est notre deuxième thème. Mais je prends le dernier point qui m'a retenu dans l'entretien du chef de l'État, qui a parlé du tribalisme. Voilà. Il a dit que ce fléau refait surface. Et il est revenu dans la logique de, pas de remercier, mais de prendre un peu la façon de faire de président du feu, président Mobutu, qui nommait, selon le président de la République, ce fléau-là du tribalisme est venu du fait que les gouverneurs ne sont plus nommés, ils sont élus, et pour postuler, vous devez être fils du terroir. Or, selon lui, à l'époque de Mobutu, le chef de l'État nommait des gouverneurs, et quand vous allez là-bas, vous êtes d'office représentant du chef de l'État, mais à ce jour, vous pouvez être gouverneur, le chef de l'État vous donne une vision à accomplir, mais une mésentente peut se produire ou se vivre au sein de l'Assemblée provinciale et les élus font bloc et destituent le gouverneur et ça empêche aussi à ce que la République puisse avancer. Mais du moins, du fait que le gouverneur doit être seulement fils province ou fille de la province, c'est aussi ce qui fait que ce fléau de tribalisme puisse refaire surface en République démocratique du Congo. Qu'en dites-vous? Monsieur le journaliste, je suis tout à fait d'accord avec le président de la République. Je crois que pour ceux qui ont eu déjà à s'entretenir plusieurs fois avec moi sur ces sujets, ils trouveront que je suis dans cette logique-là. Je dis que le président de la République a tout à fait raison. Je vais démontrer. Vous savez que avec le président Mobutu, il arrive au pouvoir par un coup d'État. Et il a trouvé qu'il y avait cette histoire de sécession, il y a eu des histoires comme ça. Il fallait chercher comment créer la cohésion.
Et pour permettre à ce qu'il y ait cohésion nationale, il faut éviter ce genre de choses pour dire que non, le gouverneur doit être toujours l'originaire de cette province-là. Pourquoi ? Parce que vous allez voir les conséquences de ça, c'est ce qui amène l'instabilité dans nos assemblées provinciales. Parce que dans cette province-là, le gouverneur que vous allez élire sera effectivement d'un certain coin. Et comme ici chez nous en Afrique, lorsqu'on nomme quelqu'un de votre terroir, vous dites que non, voilà, nous sommes venus, nous avons maintenant le pouvoir, et voilà, nous sommes maintenant au mangeoir, et vous allez voir ces gens organiser même des fêtes. Nous, ressortissants d'eux, les gens commencent à faire des fêtes, à faire des déclarations, et tout ça, tout ça. Quand il y a même des nominations au niveau du gouvernement, vous voyez des gens faire des déclarations que non, nous ne sommes pas représentés, nous sommes oubliés. Mais imaginez que nous avons plus de 400 tribus en République de la moitié du Congo, mais vous avez un gouvernement qui doit avoir 50, 60 ministres. Donc, s'il faut que chaque ethnie soit représentée au gouvernement, nous aurons un gouvernement de plus de 400 ministres. Vous voyez un peu le problème. Maintenant, quand vous arrivez aussi au niveau de province, le gouverneur qui doit être élu, il doit être un gouverneur qui sortira toujours d'un coin. Si cette province est constituée de 50 ethnies, et que chaque ethnie a un gouverneur, on aura combien de gouverneurs? Maintenant, pour éviter que ce problème-là puisse se produire, Charles Mobutu avait résolu de prendre quelqu'un qui n'est pas de cette province-là et le nommer comme gouverneur. Et je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut modifier la constitution par rapport à cet aspect des choses. Okay. Les députés provinciaux peuvent être élus, mais le gouverneur nommé par le président de la République. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer par élire le gouverneur, et nous avons participé dans ce pays aux élections de plusieurs gouverneurs que nous avons vus. Et vous trouverez que toujours, il y a un problème de la corruption d'abord des députés qui se pose. Il faut que le gouverneur le plus au fond puisse passer détruisant. C'est lui qui n'a pas bien fait. Vous comprenez un peu? Et soit il faut que le gouverneur qui doit passer là soit puisse avoir un appui politique du président de la République, soit du premier ministre, soit du ministre de l'Intérieur, soit pour qu'il soit élu. Soit le gouverneur qui doit être élu doit sortir d'une famille politique. Vous comprenez? Et tout ça, ça crée vraiment de l'instabilité dans notre pays. C'est pourquoi vous voyez que toutes les assemblées provinciales ont toujours le même problème. Donc, les gouvernements provinciaux ne fonctionnent pas normalement. Dans chaque province, il y a toujours des problèmes. Nous avons vécu ça. Ici, à Kinshasa, le problème a commencé encore. Les problèmes ont commencé. Dans toutes les provinces, le Bas-Congo, le Kasaï, partout ailleurs, il y a toujours le problème de gouverneur. Il y a toujours le problème des assemblées provinciales. Dans Manika, voilà ce qui s'est passé. À ce jour, elle est réhabilitée par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est réhabilitée. Maintenant, vous arrivez pour gérer sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, alors que ceux qui sont avec vous, ces gens-là que vous devez diriger, ils ont refusé à ce que vous puissiez être leur gouverneur. Mais vous voyez un peu ça crée un peu trop de problèmes. Mais si vous êtes nommé par le président de la République, vous n'êtes pas de cette province-là. Même lorsqu'il y aura des conflits entre ethnies, vous n'allez pas prendre part ou vous n'allez pas prendre fait et cause pour une partie. Vous allez trancher ça en tant qu'un homme d'État, représentant du président de la République. Vous allez gérer le problème calmement et sans problème. C'est comme ça que vous voyez même, il y a certains qui étaient gouverneurs à l'époque de Mobutu, qui sont du Bas-Congo, mais ils se font élire à l'est de la République de la moitié du Congo, comme député national. C'est-à-dire qu'il était là, il avait fait un bon travail, il s'est familiarisé avec des gens qui sont là-bas, il est devenu comme quelqu'un qui vit là-bas. Donc, parce qu'il est congolais partout où il est congolais. Vous comprenez un peu? Moi, j'appuie à ce que la constitution soit révisée par rapport à cette question et que le gouverneur soit nommé par le président de la République et que ce gouverneur-là soit d'autres provinces qui est de la province d'origine. Donc, vous êtes congolais, vous êtes du Bas-Congo, vous allez gérer le Kasaï. Vous êtes du Kasaï, vous allez gérer l'Équateur. Vous êtes de l'Équateur, vous gérez le Bandundu, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour éviter un peu ce problème-là. Et éviter aussi, il faut aussi arriver
Aller trop loin pour interdire un peu ces fêtes qui se font toujours lorsque quelqu'un de votre coin est élevé en dignité, vous organisez des fêtes, vous devez faire des déclarations non ressortissantes d'eux. J'atterris par rapport au tribalisme. Vous avez cette question sur le tribalisme, c'est une question qui, au fait, si on ne prête pas attention, si on ne gère pas bien cette question, ce pays va s'embraser. Et c'est ça la volonté des ennemis du Congo. Et vous allez voir que ce discours-là, oui, ce discours-là nous est amené et imposé par les gens qui ne veulent pas que le Congo puisse évoluer. Je pense seulement à l'ancien régime de le président Joseph Kabila. Lorsqu'il était au pouvoir, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a des nominations, il n'y avait pas cette question de tribalisme. Personne ne parlait de la question de tribalisme. On a eu Ngoï Moulunda comme président de la CENI, on a eu l'abbé Malumal comme président de la CENI, on a eu Corneille Nanga comme président de la CENI, tous soient ils fonds. Personne n'a parlé de tribalisme. Nous avons eu Kabange Numbi comme procureur général près de la Cour de cassation. Nous avons eu Luamba comme président de la Cour constitutionnelle. Nous avons eu plusieurs personnes au niveau des responsabilités et personne n'a parlé de tribalisme alors que tous étaient des Swahilphones. Nous avons eu le président Joseph Kabila, Swahilphone. Nous avons eu Augustin Matata Ponyo, Swahilphone. Nous avons eu le ministre des Finances, Swahilphone. Nous avons eu le ministre de l'Intérieur, Swahilphone. Nous avons eu donc à plusieurs faux postes de responsabilité. La Banque centrale était toujours gérée par Massango Mounongo, qui est Swahilphone. Et on n'a pas parlé de tribalisme à ce moment-là. Personne n'a haussé le ton pour parler de tribalisme. Donc, et lorsque les gens parlaient, ils parlaient. C'est un acharnement sur le. Oui, les gens, lorsqu'ils parlaient, il parlait toujours de la gestion. C'est comme ça que je suis en train d'inviter au peuple congolais. Lorsque vous parlez de la République démocratique du Congo et vous voulez critiquer un régime, il faut critiquer la gestion. Il ne faut pas toucher à des points très sensibles qui concernent des histoires de tribalisme. Ce sont des questions qui divisent et qui affaiblissent l'État. Vous comprenez? Qui affaiblit l'État. Lorsqu'il y a un Swahilphone qui fait bien son travail, il faut l'applaudir. L'autre qui fait, Gilles Alinghetti, qui fait aujourd'hui un travail remarquable, qui est salué par tout le monde. Qui refuse Gilles Alinghetti aujourd'hui? Est-ce qu'il est du même coin avec le président de la République? Non, il n'est pas du même coin avec le président de la République. Et ce que nous devons aussi savoir, oui, on chute par là pour prendre le deuxième point. À ce qui concerne la vie politique, oui, vous constaterez que nos partis politiques ou nos familles politiques que nous créons, nous le créons toujours sur base de certaines relations que nous avons avec certaines personnes effectivement. Vous comprenez? Oui. Vous verrez que nous avons, par exemple, un parti politique comme MLC, nous avons un parti politique comme le PALU, nous avons des partis politiques comme l'UNC et tout ça. Les gens qui créent ce parti politique et qui viennent en premier dans ce parti politique, ce sont des gens qui nous sont beaucoup plus proches. Plus proches, plus familiers. Oui. Plus familiers. Et les gens qui nous accompagnent beaucoup plus dans ce combat, ce sont toujours ces mêmes gens-là. Et la politique, c'est ce que nous devons savoir. La politique, c'est un rapport de force. Si seulement si, ceux qui sont tout autour de moi, ceux qui sont beaucoup plus proches de moi, nous arrivons à remporter dans la vie politique, ce sont ces gens-là que je vais nommer. Je ne nommerai pas les gens qui sont plus éloignés que moi, que je ne connais même pas. Non, je ne peux pas les nommer. Donc, je dois nommer les gens qui sont plus proches de moi et qui sont, que moi aussi, j'estime que ces gens-là sont plus fidèles à moi. Donc, je ne peux pas parler de tribalisme, faire ceci, dire que non, parce que tel a nommé tel est à tel poste de responsabilité, ça devient le tribalisme. Non. Mais le tribalisme, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Mais c'est un discours qu'il faut exclure dans la bouche des Congolais, parce que nous avons toujours évolué ensemble dans ce pays pendant plusieurs régimes qui se sont succédés. Ce problème s'est toujours posé et on sait toujours comment traiter et arriver à ce que les gens puissent toujours vivre ensemble. Voilà, il nous reste peu de temps, mais affaire kidnapping, nous devons en parler. Un procès que certaines personnes ont traité de théâtre, certaines personnes ont décrié la manière dont ce procès s'est effectué. Certains pensent même que c'est allé trop vite parce qu'ils se sont référés à la logique, je dois le dire à Lingala, Kamer écoute à Ibaki Kambongo, à Bomaki Naye Batouté, Ndenge Balaki Sagibiso, mais procès Naye et Joaquim Nicolo. Il y a Batouo, Bazolo Bake, Baboumaka,
Mais procès, et ça n'est même pas une semaine, malamoko ba décision est bimi. Alors, monsieur Dani Tshamala, analyste politique, congolais comme tous les Congolais, un procès où on parle de kidnapping, il y a mort d'homme, ça nous prend un feuilleton, je crois, même pas une semaine. Il y a déjà des condamnations qui sortent. Est-ce que la police avait déjà des informations sur ces présumés, sur ces personnes qui l'avaient arrêté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que je me suis toujours présenté comme étant analyste politique indépendant. Mais sur cette piste de procès kidnapping, je vais utiliser un peu ma casquette de juriste par rapport à ça, pour que les gens arrivent à comprendre. La différence entre le procès de Vital Kamerhe et le procès de kidnappeur se situe à un seul niveau. Le procès de M. Vital Kamerhe n'était pas une procédure de flagrance. Okay. Mais ici, nous sommes dans le cadre d'une procédure de flagrance. C'est-à-dire quoi? Les faits qui viennent de se commettre, où les éléments de preuve sont là, où les victimes sont là, et les témoins sont sur place. Mais dans le cadre de M. Vital Kamerhe, il fallait commencer à chercher des preuves, auditionner certaines personnes, inviter, c'est comme ça que vous avez vu, il y a eu l'ancien ministre de Finances qui a été invité, il y a l'ancien ministre de l'Environnement, je crois, l'Environnement, ou Développement Rural, Justin Bitakwira, qui a été invité, mais tout ce monde-là, il n'était pas possible de les inviter en un seul jour. Et surtout que ce n'était pas aussi une procédure de flagrance. La procédure de flagrance, c'est une procédure qui concerne les faits qui viennent de se commettre. C'est-à-dire, dans le cas d'espèce, il y a des gens qu'on a arrêtés en pleine action. Vous comprenez? Les témoins sont là. Il y a des gens qu'on a arrêtés par dénonciation de ceux qui opéraient avec eux. Vous comprenez un peu? Alors, avec ce genre de personnes, alors que les preuves sont là, vous ne pouvez pas prendre beaucoup de temps pour les condamner. Lorsque vous jugez la personne, et la personne elle-même ne nie même pas les faits, il vous dit effectivement, j'avais fait ça, il y a des plaignants qui sont là, des victimes, il y a même des preuves qui sont encore là. Est-ce qu'il faut chercher, il faut prendre beaucoup de temps pour juger? Il y a une question qui se pose autour de ça. Oui. C'est vrai que ces kidnappeurs font ce qu'ils font, mais pendant l'audience, une audience, je crois, le jour qui a suivi, certaines personnes ou certains de ces kidnappeurs voulaient quand même donner ou citer les noms de personnes qui leur envoient, c'est-à-dire les commanditaires. Un de détenus avait même dit qu'ils ont des gens qui les envoient pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire, mais les juges ont dit que ce n'était pas opportun. C'est par là aussi que certaines personnes disent que tout ce qui s'est fait là, c'était de la théâtralisation. Il fallait quand même montrer à la face du monde qu'il y a des choses qui se font. Je veux vous dire, monsieur le journaliste, que lors des émissions passées, je vous avais dit une chose par rapport à ce phénomène de kidnapping. Je vous avais dit que l'objectif de ce phénomène en République démocratique du Congo ou dans la ville province de Kinshasa, c'est de saboter le jeu de la francophonie, de créer un climat de terreur. Donc le ministre de la Communication vous a rejoint alors. Voilà, pour faire voir aux gens que non, voilà, il y a de l'insécurité à Kinshasa et que ce pays-là n'est pas fréquentable. C'est ça l'objectif. Et entre autres, lorsque ces kidnappeurs arrêtés, parce que ce sont des criminels comme tous les autres, lorsqu'ils sont arrêtés, ils ont été entendus par la police. Non seulement la police, ils ont été entendus aussi par les procureurs. C'est lui qui les chargeait devant le tribunal. Ils ont été entendus. Ce que le tribunal faisait, c'est d'examiner si effectivement ce qu'ils avaient déclaré à la police était vrai, ce qu'ils avaient déclaré auprès du magistrat c'était vrai, et que le tribunal puisse décider s'ils sont innocents ou ils sont coupables. C'est ce que le tribunal a examiné. Et en examinant, le tribunal n'avait pas besoin d'une année pour le faire.
Parce qu'il y a des PV sur lesquels ils sont passés aux AV, et il y a des PV qui étaient établis par la police et par le magistrat du parquet. Donc, ça ne pouvait pas prendre même 48 heures. C'était quelque chose de 30 à 40 minutes et on a le résultat. Le juge se prononce en âme et conscience. Mais lorsqu'ils disent que non, voilà, nous devons citer des noms et tout ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des criminels. Vous comprenez? Ce sont des criminels. Quelle est la personne que vous allez citer que vous n'avez pas eu le temps de citer devant l'OPJ, verbalisant? Quelle est la personne que vous allez citer que vous n'avez pas eu le temps de citer devant le magistrat du parquet lorsqu'il était en train de vous auditionner? Donc tout ça, il cherchait maintenant à créer un désordre ou tirer des choses en longueur pour que les choses restent dans cet état-là. C'est comme ça que le magistrat estimait que ce n'était pas opportun. Même si vous citez une personne, ce n'est pas un problème. Et même si vous êtes condamné, ça ne vous empêche pas de citer. Parce qu'en citant que c'est elle qui m'a envoyé, ça ne vous dédouane pas de l'acte que vous avez posé. Donc vous avez toujours le temps de citer la personne qui vous a envoyé et la justice mettra toujours la main sur cette personne-là. J'encourage la justice et je félicite le tribunal qui a fait un travail de titan pour condamner ces gens-là et je demande à ce que la même justice continue à veiller à ce que les peines prononcées contre ces genres de personnes puissent être vraiment exécutées pour que quand même la société puisse retourner dans son sens normal d'une société civilisée. Voilà, merci. C'est sur ce mot de M. Danny Tchamala que nous bouclons cette émission. Mais je reviens seulement à ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'ils ont été condamnés, mais il faudrait qu'il y ait aussi un suivi. Parce qu'il y a un de ces kidnappeurs qui a dit qu'il a fait la prison plusieurs fois et c'est au moyennant 700 ou 750 dollars qu'on lui accorde une liberté provisoire. C'est vrai, 750 dollars ne représentent rien par rapport à une vie humaine. Donc, à l'appareil judiciaire de mieux faire son travail, surtout que jusqu'à ce jour, le président de la République n'est pas encore convaincu du travail que vous faites. Il est temps que vous puissiez mieux faire ce travail que la République vous a donné, parce que demain ou après-demain, vos enfants, vos petits-fils, vos petites-filles pourront aussi être victimes de ces kidnappeurs que vous libérez peut-être moyennant 1 000, 2 000 ou 3 000 dollars. Nous mettons un point final à cette émission d'aujourd'hui. Nous commençons une semaine, une nouvelle semaine, de nouveaux objectifs. Et je pense que cette semaine sera plus meilleure que la semaine passée parce qu'une nouvelle vie, une nouvelle journée nous apporte toujours de nouveaux objectifs et de nouvelles pensées. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Et Kokomouya, merci beaucoup pour tout. Je vois Don Benj, moi je l'appelle communément Tonton Benjamin. Je vois Rabbi Fouka et Enoch. Merci à vous de nous avoir suivis. Bye bye.